Eh bien salut, bienvenue dans mon atelier de montage. Je travaille en ce moment sur Oxymute et nous allons monter une scène. En fait, c'est trois scènes, mais ils ne constitueront qu'une seule scène au final de l'épisode 8. C'est une scène un peu compliquée à monter parce que c'est une scène de décollage de fusée. Et on va essayer de le faire ensemble là, pour que je t'explique un petit peu comment je fais. Donc, ici nous sommes dans Logic Pro, hein, c'est là que je vais monter la scène. Tu vois, j'ai trois personnages dans cette scène, j'ai Delta Commander, j'ai Control et j'ai Kanitoshi. Pour l'instant, on va commencer la première partie du montage qui est mettre sur la timeline les voix qui interviennent dans la scène et les bruitages principaux. Et puis les musiques aussi. Moi, j'aime bien, pour savoir où je commence, où je finis, commencer par la musique. La musique, si je vais revoir sur le script, la première musique, c'est Thrilling. C'est une musique un petit peu de suspense. Et elle se trouve là. Le thème, nous allons le placer sur la piste musique, ce qui est jusqu'à présent tout à fait dans la logique. Je n'importe pas le tempo, je n'en ai rien à secouer. Voilà, à peu près comme ça, et Thrilling, ça fait ça. Voilà, c'est juste plus une ponctuation qu'autre chose. Il est bien précisé ici que c'est le... Ici, dans les notes, que c'est le thème que je dois utiliser là au début, très bien. Et nous sommes dans le poste de pilotage de la navette. Le poste de pilotage de la navette, il a une ambiance particulière, qui est ceci. Parce que j'ai déjà présélectionné, heureusement, les sons. Avant de commencer le montage, il vaut mieux. Nous allons chercher, par exemple, ici, cette ambiance que j'avais sélectionné, Low Space Ship Rumble, qui fait partie d'une banque de sons que j'ai acheté il y a quelque temps, et qui va faire comme ça. Ouais, son ambiance de la cabine de la navette, ok. Je le prends, et je le mets dans les ambiances. Poum, on va faire comme ça pour vous faire enchaîner avec la musique. Tu vois, on va le baisser parce que c'est juste une ambiance, elle n'a pas besoin d'être un peu forte. Je vais essayer à 14 pour voir ce que ça fait. Je vais déjà agrandir un petit peu la fenêtre. Voilà. On essaye. Très bien. Je vais le monter un petit poil et le rapprocher un peu. Nous sommes dans la navette. C'est comme si on y était. J'ajusterai tout ça après pendant le mixage. Pour l'instant, c'est juste poser les éléments sur la timeline. Nous sommes là, l'ambiance là, et c'est le commandeur qui cause. Le commandeur, c'est le grandiose José Findlaker. Commandeur. Donc, commandeur, j'ai fait un groupe dans lequel j'ai des bruitages du commandeur, les pas du commandeur, la présence du commandeur, c'est un petit peu les présences, c'est un petit peu tous les froissements de tissus, tous les mouvements, les sons qu'on produit quand on bouge. C'est ce qui donne un petit peu de vie à la chose. Et la voice du commandeur. Nous allons mettre le commandeur sur sa voice, ce qui semble assez normal. Alors il faut que je rapproche un petit peu le commandeur du micro. C'est pour la spatialisation. Check-up terminé, contrôle. Alors je vais le retarder un petit peu pour avoir le temps de commencer là. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Je vais pas prendre cette voie-là parce que l'intention n'est pas juste. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Non, il s'adresse à contrôle, là, si je me souviens bien. Check-up terminé, contrôle, pareil pour lancement, donc non. Check-up terminé. Il me le fait au moins une fois, check-up terminé, contrôle. Bien reçu, contrôle. Ah bah non. Donc voilà. Check-up terminé, contrôle, pareil pour le lancement. Donc on va garder celui-là, je vais le rapprocher simplement. C'est de ma faute, j'étais pas assez clair dans l'indication. Et check-up terminé, contrôle.
Enfin, si j'avais voulu qu'ils disent séparément, j'aurais mis des petits points. Là, j'ai mis une virgule, mais enfin bon, c'est pas grave. On va rapprocher ça chez Cap Terminé Contrôle. En le remettant au début. Check-up terminé. On va rapprocher là. Check-up terminé. Contrôle. Encore un petit peu. Check-up terminé. Contrôle. Pareil pour le lancement. On va laisser comme ça. Hein. Voilà, ça ira. Et ça, c'est Contrôle qui lui répond. Le contrôle, c'est mon autre camarade TJP. Nous allons le chercher. Ma faute aussi, pourquoi je donne pas des noms normaux à ces gens-là? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Contrôle, toi? Ben moi, oui. Voilà. Et alors, Contrôle, comme nous sommes toujours dans la navette... Ah, j'ai pas fait une voice de Contrôle. Comme nous sommes toujours dans la navette, Contrôle, il va parler par la radio. Il faut donc que je crée une piste spéciale sur laquelle je mettrai la voix de Contrôle dans la radio. On va le mettre comme ça. Non, on va le laisser là. Attends, faut que je m'organise un petit peu, hein, tu vois, comme je suis. Comme c'est la première fois une interview, on va mettre Contrôle Radio Voice. Ici. Et l'autre piste sera pour sa voix naturelle. Je t'explique un truc, c'est que le fait d'avoir des sous-fichiers par rapport aux fichiers principaux, ça me permet après d'appliquer les automations de spatialisation, la distance, la localisation dans l'espace, etc., directement sur une piste, et ça se répercute sur les quatre autres pistes qui sont dans le dossier. Et c'est ça qui est très pratique. Donc pour ça, il faut que je baisse aussi la piste principale. À peu près par là, en général, d'après mon expérience. Et tu l'as, François. Ouais, il est là. Il est là, mais il est loin. Check-up terminé, contrôle, pareil pour lancement. Bien reçu, commandeur. Bien reçu, commandeur. Allons-y. Ça commence là. Et comme François m'a fait deux versions différentes du personnage, une un peu plus robotique que l'autre, et moi je préfère l'autre qui est plus friendly, nous allons voir ce qui se passe. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Ah bon? Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de Bah oui. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Bon. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Celle-là me plaît bien. Je vais garder celle-là avant de voir s'il y en a une autre. Ici Contrôle. Donc c'est autre chose. Très bien, on va garder celle-là. Et... Et on va voir là comment ça se passe. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Donc... Comme c'est sa voix radio, nous allons, parmi les nombreux plugins qui sont prépositionnés sur les pistes de voix, nous allons initier un son de radio, qui est un son que j'ai pré-produit. C'est plutôt téléphone simulateur, mais c'est un petit peu pareil. Et donc... Pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Voilà, maintenant, il est d'un seul coup à la radio. Il est à la radio.
Et nous allons le rapprocher un petit peu pour l'entendre mieux. On spatialisera dans un deuxième temps, au moment du mixage, mais pour l'instant, c'est juste histoire d'équilibrer un peu les sons. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Alors, je vais monter, je m'aperçois qu'il faut que je monte un petit peu l'ambiance quand même, parce que il est dans la navette, donc ça doit être un peu bruyant quand même. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Très bien. Eh bien, qu'il y vienne. Non, je crois pas que ce soit ça qui répond. Ah oui, un petit bip de com. Les bips de com sont répertoriés dans le fichier bruitage de mon scrivener. Et le bip de com, c'est tout simplement un... Il est pas là, c'est il est là. C'est, en fait, c'est celui-là que j'ai pris. C'est un bip que j'ai extrait d'une conversation entre Apollo et Houston, en toute simplicité. Et je m'en sers pour rythmer un petit peu les conversations radio, et c'est rigolo. Soit je le laisse sur sa piste bruitage, c'est là où je le mets habituellement, le bip de contrôle, le bip de communication. Soit je le laisse donc là-dessus, mais il ne sera pas soumis au filtre radio, soit je le place sur la piste de voix radio, qui fait que... On va voir. Sama voudrait vous parler. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que je le descende là. On va essayer. Pour qu'il bénéficie lui aussi de... Sama voudrait vous parler. Alors... Je sais ce que je vais faire. En fait, je vais le laisser là-haut. Mais je vais mettre un petit peu de bruit de transmission. Parce que, tu vois, quand on écoute ça, il y a derrière, il y a un souffle. Il faudrait que je trouve l'équivalent de ce souffle. Je sais que j'en utilise dans un autre épisode pour mettre tout le long de la communication. Pas dans cet épisode, mais dans un autre épisode, j'utilise du son comme ça. Bon, écoute, on le mettra après au moment du mixage. Ça sera plus simple. Ça m'évitera de te faire attendre, voilà. Je voudrais vous parler. Eh ben, très bien. Répond le commandeur. Non, parce que le commandeur, il va encore me dire. Bien reçu, contrôle. Ah oui, très bien. On était là. Bien reçu, contrôle. J'écoute. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Ah, bah voilà, mon check-up terminé, contrôle. Il me l'a refait après, le coquin. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. C'est bien mieux, hein. Le premier était très bien. Bien reçu, contrôle. Voilà. On va remplacer ça au début. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage... Bon, je vais l'avancer un petit peu tout ça. Pour garder un petit peu plus de vivacité. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle. J'écoute. Alors, est-ce que j'ai activé le DSR ? Non, parce que... Mon ami José a une fâcheuse tendance à la sibilance. Ce qui est une qualité en soi, n'est-ce pas ? Ma voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle. J'écoute. En activant le DSR, je limite un peu les sifflements sur les S. Bien reçu, contrôle. J'écoute. Il est un peu off, s'il est fort, mais une puissance faible. Check-up terminé, contrôle. Oh oui, tu me l'as déjà dit. Voilà l'inconvénient de ne pas avoir des rushs avant. Pareil pour le lancement. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Celui-là est pas mal, hein. Il est assez dynamique et tout ça. Par rapport à celui-là. Bien reçu, contrôle. J'écoute. Ouais.
Bien reçu, contrôle, j'écoute. Ouais, ça c'est mieux. Effacer celui-là au passage. Vous parler. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Alors. Kenitoshi et Delta Commander, nous faisons intervenir Kenitoshi, qui est interprété par l'excellent Phaéton Bougre. Kenitoshi, voilà, je descends un petit peu cette piste à moins 6 dB. Kenny Voice, mais Kenitoshi étant aussi par la radio, nous aurons. Voilà. Une piste radio pour lui aussi. On va baisser le radius pour mieux l'entendre. Voilà. Et nous allons chercher la radio voice de Kenitoshi. Épisode 8. Scène 8. Plus scène 9, très bien. Bah écoute, nous l'avons, ça tombe bien. Kenitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Oui, ma poule, on t'entend. Il l'a refait une fois. Kenitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Oui, mais il l'a refait pareil, ce qui ne sert à rien. Kenitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? D'accord, on va garder ça. Nisama voudrait vous parler. Kenitoshi à Delta. Ah, pardon, bien reçu. Il était là, là-haut, je l'avais pas vu. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Et là, nous mettrons un petit peu quelques crachotements de friture avant que Kenitoshi prenne la parole. Vas-y, j'écoute. Contrôle, j'écoute. Kenitoshi. Voilà. Kenitoshi, nous le basculons immédiatement en mode téléphone. Kenitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Et un petit bip radio. Nous allons prendre le même en le dupliquant que celui de contrôle. Et nous allons le glisser là. Vous m'entendez ? Non. Oui, il faut que je mette un peu moins fort cette piste-là aussi. Par défaut, elles sont réglées sur 0 dB, mais il faut que je change. Quand je les utilise. Vous m'entendez ? Voilà, c'est mieux. Celui de contrôle aussi, d'ailleurs, était... Ah non, il était bien réglé. Ok. Vous m'entendez ? Alors, c'est le commandeur qui répond. Bon, écoute, je crois que tu as compris le principe, hein. Je vais couper là, je vais terminer tout seul, et nous reprendrons la suite plus tard, au moins à la fin de cette scène. A tout à l'heure, à tout de suite. Voilà, alors un peu de temps s'est écoulé, hein, une bonne journée. Et j'ai fini par mettre toutes les voix sur les pistes assemblées avec quelques bruitages principaux. J'ai notamment rajouté un peu de statique sur les communications radio, ce qui fait que ça donne un peu ça maintenant. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kenny-sama voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Kenitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Parfaitement, Kenny-sama. J'écoute. Commandeur, vous allez bientôt prendre le contrôle du leadership Margarita à la tête... Voilà, donc ça s'est installé. Je vais m'y efforcer, Kenny-sama. Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. J'en termine, contrôle. Là, on est dans la salle de contrôle, et avec une autre ambiance. Et la conversation se poursuit.
bord et de la sauvegarde de l'ensemble de la flotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semblerait contraire à votre mission. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Bien compris, Kanisama. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. Envoi présent. 10, 9, et qui lance 8, le décollage. 7, 6, allumage des moteurs. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Voilà, et là on est à l'extérieur, sur le pas de tir. Et la fusée décolle, hein, ben voilà, elle est partie. Comment on n'entend rien? Ah ben oui, je ne l'ai pas encore mise. Bon. Très bien. Donc, on va habiller un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'habiller l'ensemble de la scène? Check-up terminé, contrôle. Oui, on va mettre quelques bruitages ici pour habiter un petit peu les phrases du commandeur. On va mettre quelques déclics, par exemple. Quelques clics, quelques bruits. Check-up terminé, contrôle. Pour montrer un petit peu où il est, même si c'est pas le moment où il fait des clics, mais ça meublera toujours. Des clics, je sais que j'en ai dans un dossier qui s'appelle des clics, hein, comme son nom l'indique. Général, j'utilise ça. J'utilise un truc comme ça et un truc comme ça. Voilà. Ça va être sympa, ça. On va les mettre sur la piste bruitage du commandeur pour être situé dans l'espace du commandeur. Voilà. Un petit chlic-chlic là. Est-ce qu'il faut que je descende? Non, là, je suis sur 9, ça doit être. Check-up terminé, contrôle. On va rajouter un slider, peut-être celui-là, je ne sais plus lequel j'avais. Non, c'était celui-là que j'avais écouté. Voilà. On va prendre par exemple le dernier, puisqu'en général j'utilise le premier. Et j'ai peut-être utilisé ces sliders. Oui, dans l'autre épisode de décollage, j'ai utilisé ces sliders-là. Donc, voilà, et là, un petit comme ça pour faire, on va voir ce que ça donne pour rajouter deux trucs. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien. Faire ça. Des clics-clics comme ça. Et le slider à la fin. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Là, on va peut-être mettre une petite présence, histoire de dire qu'il est sur son siège et il se prépare à écouter Kenny. Il se carre bien dans son fauteuil. Je cherche un bruit de frottement. Alors ça, c'est un peu long. Tourner, retourner, ça fait mal pas comme ça. C'est pas mal ça, mais bon. Ça, c'est un petit peu faible, on n'entend pas grand-chose. Non, ça va pas. Ça, c'est bruit de combat. Non, c'est 6 minutes, ça va pas, j'ai pas le temps d'écouter tout ça. On va essayer avec un peu de ça. Sur les présences, donc. On va prendre la fin.
Et on va le caler comme ça. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Kanitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Peut-être un peu plus court, mais c'est juste histoire de donner un peu de... d'épaisseur au dialogue du personnage. Parlez. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Voilà, ça fait. Kanitoshi à Delta Commander, vous m'entendez ? Parfaitement, Kanisama. J'écoute. Commandeur, vous allez bientôt prendre le contrôle du leadership Margarita. Bon, après, bientôt, le sort de l'humanité sera entre vos mains. Merci, Kanisama. Ça ne me met pas du tout la pression. Tel que vous avez été conçu, la pression ne devrait pas être un problème pour vous. Certainement, monsieur. Là, on va le faire bouger un petit peu aussi. On va essayer ça. Voir un petit peu ce que ça va faire là. On va faire même commencer pendant ces paroles. Pour s'arrêter là. Certainement, monsieur. Sachez que je ferai le maximum. Ça va pas du tout, ça. Je vais voir si le bruit suivant peut faire l'affaire. L'avantage avec un logiciel de montage comme ça, c'est que à partir du moment où on a un fragment du fichier son, on a l'ensemble et qu'on a chargé l'ensemble du fichier son, ben on peut réutiliser ce qu'on a déjà collé. Bref. Je crois que tu comprends pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave, moi non plus. Certainement, monsieur. Sachez que je ferai le maximum. Ouais, c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. On va le poser comme ça. Certainement, monsieur. Sachez que je ferai le maximum pour me montrer à la hauteur. Commandeur, le reste de nos pionniers ne tardera pas à vous rejoindre, moi y compris, de préparer notre départ. Je vais m'y efforcer, Kanisama. Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer... Alors, contrôle, on va lui mettre aussi quelques déclics. Parce qu'il est sur son poste de contrôle et il touche les boutons. Alors, où sont les présences de contrôle ? Bah. Ah oui, je suis dessus. Il pourrait bien, Walter. Ici contrôle. Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Non, ça je vais mettre plutôt. Un peu comme s'il allumait sa console pour prendre la parole. L'ambiance commence ici. Oui, j'ai encore un petit peu de marge pour placer le clic là. D'ailleurs, c'est pas une présence, ça c'est un bruitage. Voilà, moins 10. Comptez sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien. Et là, il va faire tripoter quelques boutons. Ouais, c'est bien ça. De compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Tic-toc, toc. Ça, c'est peut-être un peu violent. Oui, pour faire décoller la fusée tout de suite. Ça, c'est trop fort, ça, c'est trop fort. Je vais remettre un petit comme ça. Ce sera deux tonalités différentes de clic. Pour automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. Oui, si, on peut le faire avec les deux doigts. Ici, contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. J'en termine, contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une fois décisionnaire ultime, vous le savez, pour tout ce qui reflotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semble... À vos ordres, monsieur. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Putain, la réplique. Bien compris, Kanisama.
À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10. Alors, il se passe plusieurs choses à ce moment-là, me semble-t-il, dans le script. Je suis sur la scène 9. Ouais, à tous de contrôle, à tous de contrôle, attention pour le décompte final, bon t'es. Ça va être l'allumage des moteurs. Ça va être l'allumage des moteurs. Est-ce qu'il n'y a pas de musique aussi? Il y a la musique de décollage. Bon, on va d'abord mettre, on va pas faire mélanger les choses, on va d'abord mettre le moteur extérieur. Moteur extérieur, c'est celui-là. J'avais sélectionné celui-là. On va aller le chercher. Je cherche par mots-clés, ça va plus vite que de m'y retrouver dans mes dossiers. Voilà. Et ça, on va le mettre sur une piste de bruitage séparée, parce que c'est séparé de l'ensemble. Mais, oui, à quel moment c'est exactement... C'est à l'allumage des moteurs. Compte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6, allumage des moteurs. 5. Alors, si on va mettre à 6. 7, 6. Allumage. Violent, hein. Allumage des moteurs, le commandeur comme par là, on va le poser là. On va baisser ça et on va le faire arriver progressivement. Et puis on va le situer aussi quelque part. Qu'est-ce que j'ai là comme possibilité? On va le laisser au maximum d'espace à 100%. Sur l'angle, on va le laisser au milieu. Est-ce que ce, on l'entendrait peut-être par un haut-parleur de chez contrôle? 7, 6, allumage des moteurs. 5, 4, 3, 2, 1... Top. Allumage des propulseurs. C'est pas mal ça, je vais le laisser comme ça, ça fait un bruit un peu lointain. Et allumage des propulseurs, on a carrément le gros moteur qui s'y met, si je me souviens bien. Allumage des propulseurs, c'est sur la scène suivante. Scène 10. Moteur extérieur 2. Moteur extérieur 2, je l'ai dans ma liste des bruitages. Ok, on va aller... le chercher ici, c'est celui-ci, et on va le mettre sur l'autre piste de bruitage parce que les deux bruits vont se mélanger. À l'image des propulseurs, là c'est pareil, ça va arriver progressivement. On va essayer comme ça, puis on va ajuster. 3, 2, 1, top! Allumage des propulseurs. Et décollage. Il faudrait quoi? Je sais pas s'il faudrait quelque 7, chose. 6, allumage des moteurs. 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage des propulseurs. Et décollage. C'est-à-dire que là, on se demande pourquoi d'un seul coup, il parle en radio. Il faudrait que je fasse vraiment un changement de tonalité ici. Alors, peut-être un changement de volume plus brutal. Allumage des propulseurs. Et décollage. C'est pas mal là, parce qu'on se rend compte effectivement que c'est un peu plus... On se rend compte qu'il y a un changement de scène. Il faudrait que je puisse aussi intervenir sur le volume ici. Pas trop, parce qu'il faut pas que ça sature. On va voir ce que ça donne.
qu'est-ce que ça va faire? 4, 3, 2, 1, top! Allumage des propulseurs. Et décollage. On a compris. Est-ce qu'il faut que je... Oui, là je vais boucler cette boucle-là. Parce que maintenant, il va falloir régler la musique pour avoir le climax de la musique au moment du décollage. Si je me souviens bien, j'avais prévu, dans la scène 9, de faire commencer la musique décollage sur le début de Kanitoshi, j'en termine contrôle. Ok. Les musiques sont là. Toutes les musiques... d'Oxymute. La musique de décollage, elle est là. Voilà. Et je la fais partir où j'ai dit... J'en termine contrôle. C'est donc le dernier speech de Kanitoshi. Je crois que c'est là. J'en termine contrôle. Ok, on va mettre la musique. Ici, comme elle est conçue pour une progression, la musique, j'en ai une là au début aussi. Ah oui, j'en ai une au début aussi, donc je fais attention à ne pas dérégler celle du début. Mais je vais voir, est-ce que ça se termine, où se termine la musique? Oh ben voilà, elle se termine bien après le décollage, donc c'est bien. Je peux envisager de laisser... On réglera la longueur de la musique, mais j'en ai assez, donc c'est bien. Est-ce que là, je peux envisager de laisser le bruit? C'est un petit peu long. C'est un petit peu long, donc on commencera peut-être la musique avant. On va d'abord écouter ce que ça donne. On va d'abord écouter ce que ça donne. Je vais commencer doucement la musique, et puis elle doit progressivement jusqu'au... Qu'est-ce que c'est que ça? Décollage. Les deux moteurs, et boum. Donc il faudrait que la musique soit à son max ici. Moins 8 peut-être. On va tenter le coup ici. Monsieur, j'en termine contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une fois en poste sur le Margarita, vous serez le décisionnaire ultime, vous le savez, pour tout ce qui ressort de la vie à bord et de la sauvegarde de l'ensemble de la flotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous... Je vous la ferai monter qu'à la fin. Je la ferai monter qu'à partir du moment où contrôle reprend les manettes pour le décollage. Donc là, je vais la laisser à moins 25. Le départ était bien, là, à moins 25 comme ça. Je voulais simplement vous rappeler que... Mais peut-être que je vais... le faire partir plus souplement. J'en termine contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une fois en poste sur le Margarita, vous serez le décisionnaire ultime, vous le savez, pour tout ce qui ressort de la vie à bord et de la sauvegarde de l'ensemble de la flotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semblerait contraire à votre mission. À vos ordres, monsieur. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Bien compris, Kanisama. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6, allumage du moteur. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Il finit par décoller sauvagement là.
toute façon, là, il faudra que les ambiances soient terminées. On va faire décroître petit à petit. On va faire descendre petit à petit les bruits de fusée parce que c'est un petit peu long. Elle décolle où la fusée ? Là. Hein. Est-ce qu'elle monte toujours là ? Non, ça monte pas. Hein. Ça monte juste à cause du... Bon, je vais peut-être raccourcir cette séquence. Pour l'instant, on va simuler un fade-out. Un long fade-out. Tout c'est d'harmoniser les paramètres, là. Ça devrait aller. On va tenter le coup comme ça. Top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Je vais raccourcir la musique pour la faire terminer là, par exemple. Poum. Et là, je descends. Disparaître complètement, parce que là, on n'entendait déjà plus. Et je vais la faire apparaître plus tard aussi, parce que... Sur le discours de Kanitoshi, on n'a pas franchement besoin de la musique. Donc elle commençait là, tout à l'heure. Maintenant, je vais la faire commencer plus tard. Je vais peut-être garder la longueur et puis entrer plus souplement chez moi, 25. Pour que la musique apparaisse vraiment à la fin du speech de Kanitoshi. Voyons un petit peu ce que ça va donner comme ça. Reçu contrôle. Bien reçu. J'en termine contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une fois en poste sur le Margarita, vous serez le décisionnaire ultime, vous le savez, pour tout ce qui ressort de la vie à bord et de la sauvegarde de l'ensemble de la flotte. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semblerait contraire à votre mission. À vos ordres, monsieur. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Bien compris, Kanisama. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6, allumage du moteur. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà, hein, on va dire qu'on a quelque chose là. On va dire qu'on a quelque chose. Donc, je coupe les bouts qui dépassent pour que ce soit plus propre, n'est-ce pas ? Toc et toc. Bon. Eh bien, écoute, voilà. Là, on a déjà quelque chose qui commence à se tenir, hein, tu vois le genre. Il reste maintenant peut-être à mettre un petit peu de...
un petit peu de profondeur dans les lieux, un petit peu de réverb, histoire d'habiter un peu, que les dialogues habitent un peu les lieux. On commence avec quoi ? Check-up terminé, contrôle. La navette, une petite ambiance navette. Alors, là j'ai plus besoin des détails, j'ai besoin que de la piste principale de chacun. Pour se trouver de quoi un peu amplifier, de quoi donner de l'épaisseur à l'ambiance navette, est-ce que je vais prendre toutes les pistes ? Non, parce que j'ai pas de bruitage jusque dans cette ambiance navette. Donc je vais prendre que les pistes de voix. À un moment ou à un autre, ces voix-là sont sous une ambiance navette. Et on va faire sortir ces trois voix vers un bus, qui sera le bus 4. Mip, mip. Elle est drôle. Et le bus 4, je crois que j'ai déjà un réglage navette. Ça doit s'appeler navette quelque chose. Mais non, ça serait trop facile. Cargo cabine, cabine bateau. J'ai pas cabine navette. Pourtant, j'ai fait ça déjà. Cabine bateau, cargo cabine. J'ai peut-être utilisé le cargo cabine en fait. Bon, c'est des réverbes préprogrammés que j'ai à peine modifiés. Donc, là, si je les appelais. Si je gardais un principe de base pour les appeler, ce serait plus facile. C'est pas les toilettes, c'est pas le supermarché. Bon, je vais prendre cargo cabine. Je vais prendre cargo cabine. Donc, j'ai sélectionné maintenant sur ce bus une ambiance cargo cabine. Ce bus qui va prendre les voix des trois personnages principaux à divers degrés. Par exemple, le commandeur, lui, il en bénéficie à plein. Je vais aller chercher mon ambiance cargo cabine, l'automation, la voilà, et on va voir ce que ça donne un peu. Je vais le mettre au maximum pour savoir comment ça sonne. 100. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Avec... Je pense que c'était la bonne dimension, ça. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. C'est pas mal. Où j'en suis avec le radius, là, parce que je pourrais peut-être rapprocher un peu la voix. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Comme c'est lui qui est le plus près du micro qui enregistre la scène. Check-up terminé, contrôle. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Alors là, il va y avoir aussi une petite... Une petite réverb, parce que ce micro, le haut-parleur de contrôle sort dans... Ah, je me suis trompé, évidemment. J'ai pris le mute. Donc ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Voilà. Donc on va l'entendre lui aussi avec la réverbération de la cabine. Pareil pour le lancement. Bien reçu, commandeur. Avant d'initier la procédure de décollage, Kanisama voudrait vous parler. Ça lui donne un petit peu de distance. Kanisama voudrait vous parler. Bien reçu, contrôle, j'écoute. Kanitoshi à Delta Command. Pareil pour lui, donc je suis à moins 5 dB, donc je vais faire pareil pour le réglage. Cargo cabine à moins 5. Comme ça, on entend bien que ça sort du... Kanitoshi à Delta Commandeur, vous m'entendez ? Parfaitement, Kanisama, j'écoute. Commandeur, vous allez bientôt prendre le contrôle du leadership Margarita à la tête de la flotte spatiale. Bientôt le... Ok, donc là c'est bon, j'ai pas besoin, comme les personnages restent chacun à leur place, j'ai pas besoin de faire varier l'intensité de cette réverb, puisqu'il reste au même endroit. Mais là, on change de réverb parce qu'on change de lieu. Bah, vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Donc il faut que je rajoute, et même sur les trois personnages, un autre bus de réverb. Il faut déjà que je supprime celui-là, en contrôle, puisqu'il ne parle plus dans la navette. Le commandeur non plus. Donc je baisse les niveaux, et Takanitoshi non plus, plus dans la navette.
Sa voix ne sort plus dans la navette, mais dans la salle de contrôle. Il me semble, si je ne m'abuse, mais je peux très bien m'abuser, hein, puisque ça m'est déjà arrivé, que j'ai déjà une réverbe prévue pour le control room. Nous allons l'envoyer sur le bus 5, le suivant, hein, faisons les choses dans l'ordre. Out, non pas out, c'est, il me faut un envoi. Ben voilà, il est là, le bus 5. Et le bus 5, on va charger control room, crois-je. J'ai control room, voilà. Control room, nous allons commencer par control. Control room, et on va lui mettre une reverb de la control room pour voir ce que ça fait. On va le mettre un peu fort pour voir comment ça sonne d'abord. Vous pouvez compter sur moi. Ici control. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase. Mais c'est pas si fort que ça, hein. Si je le baisse, est-ce que c'est efficace? Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer. Contrôle là. Amiral et de préparer notre départ. Je vais m'y efforcer, Kanisama. Vous pouvez compter sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la. Bon, je vais mettre un petit peu plus à l'oreille, j'ai besoin d'aller quand même jusque là. Sur moi. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Alors lui aussi, on va le faire sortir sa voix dans une ambiance control room. Pareil, à moins 5. Secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. Ah oui, lui, il faut déjà que je remonte un petit peu le radius. Attends, j'ai fait une bêtise, là. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est le radius que j'ai baissé. Au lieu de baisser la réverbération cabine. Eh oui, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Et ça, ton Walter, il le fait pas souvent, attention à ce qu'il fait. Bon, radius, on va remonter un petit peu le radius, parce que il va se trouver un peu plus loin du micro, maintenant. J'en étais où ? Cargo cabine, il faut que j'instaure un control room là aussi. Là, je suis dans le control room. À moins 5. Non, pas à moins 5. Si, à moins 5, c'est bien. Ici contrôle. Il nous reste quelques secondes avant d'entrer dans la phase de compte à rebours automatique. Bien reçu, contrôle. Bien reçu. J'en termine, contrôle. Je voulais simplement vous rappeler, commandeur, qu'une team, vous le savez, pour tout ce qui ressort de la route. Je le sais, monsieur. Ne laissez personne vous imposer une décision qui vous semblerait contraire à votre mission. À vos ordres, monsieur. Non, les ordres, c'est vous qui les donnez désormais. Bien compris, capitaine. Alors là, il y a un vide quand même à cet endroit-là. Donnez désormais. Bien compris, Kanisama. À tous de contrôle. Ah, c'est parce que tout ça s'enchaîne. Vous qui les donnez désormais. Oui, c'est parce qu'il y a un silence dans la conversation. Alors, mais ça fait rien. Ce silence n'est pas agréable. Donc, Nous allons le supprimer, ce silence, artificiellement, en rajoutant du statique, là. Ok, qu'est-ce que ça fait ? C'est vous qui les donnez, désormais. Bien compris, Kanisama. C'est mieux, ça fait juste une petite transition, qu'on voit qu'on change d'interlocuteur. Il réfléchit, mais il réfléchit après avoir allumé son micro. Il est comme ça, le commandeur. Les ordres, c'est vous qui les donnez, désormais. Bien compris, Kanisama. Ouais, c'est très bien, ça. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6, allumage du moteur. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Essayer de baisser un petit poil
remarquer les ambiances de bruitage. Pour voir si c'est mieux en surveillant le potentiomètre. 1, top. À l'image des brocs. Et décollage. Je crois que je peux baisser encore un peu. Allons jusqu'à 12. Et réessayons là. Top. À l'image des brocs. C'est très bien. Je vais faire tout de suite supprimer l'espace vide qui va se trouver derrière le montage. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est propre. Et quand j'aurai besoin de ça. Bon. Voilà, après il va me rester à masteriser tout ça, hein, à changer un petit peu les réglages de la piste de sortie pour avoir un son un peu harmonisé par rapport aux autres épisodes. Voilà, ben j'espère que ça t'a intéressé, et puis sinon tant pis, hein, à bientôt.